téléphone, tu t'aimes pas ta caisse de leur plan de séquence. Pas si compliqué en fait. Ouais. Ans avant Jésus-Christ, les premières tribus gauloises s'installèrent au fond d'un vallon autour d'une source magique. Celle-ci avait le pouvoir de soigner toutes les blessures. Cette source donna une belle renommée au village Glanum et le dieu Glan qui en était très satisfait. Au IIe siècle, les Saliens d'origine celto-ligure construirent autour d'elle une ville plutôt prospère, due aux phocéens venus de Marseille. Vers 260, les barbares ont tout ravagé et le dieu Glan mécontent laissa la source sans aucun pouvoir. Les survivants mécontents quittèrent Glanum pour un village un peu plus bas, Saint-Rémy de Provence. Et l'histoire s'arrête là si on ne veut pas plus loin. D'après les histoires et les contes trouvés ici et là, les survivants auraient fait un pacte avec le dieu Glan, un pacte beaucoup plus puissant pour mieux les protéger. Trop même, ce qui leur fait peur. Ils cachèrent donc cet objet magique. Si mes données sont bonnes, nous devrions le trouver. Professeur, regardez derrière vous. Nous l'avons enfin trouvé. Filme bien, je vais l'ouvrir. C'est pas dangereux, professeur. Enfin, ce ne sont que des croyances. Depuis le temps que je le cherche. Voilà, je pense que cette phrase va nous aider à comprendre comment ce pouvoir fonctionne. Et la bibliothèque de Saint-Rémy regorge de bouquins sur l'histoire de la Provence. Et du coup, de Glanum. Qu'est-ce qu'on fait, on y va? Non, non, mais attendez. Il y a que moi qui pense que cette nana, elle est folle. À cause d'elle, il reste plus personne et il faudrait la suivre. Ça, c'est pas faux quand même. Ah ouais? Vous allez rester là, nous on y va. Ouais.